Voilà. Maximum de partage dans tous les groupes. Nos sincères condoléances à Monsieur Diané et à sa famille qui a perdu son frère, que les gens appelaient communément Kao, du côté de Cancan. Que son âme repose en paix. Bon, famille, aujourd'hui, je ne voulais même pas faire de vidéo. Vous avez vu, depuis le matin, je suis occupé. Je viens juste de rentrer. Mais le live d'aujourd'hui, c'est juste un petit conseil. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire ici, nous le faisons ensemble. Il y a d'autres qui partagent nos lives. Il y a d'autres qui mettent le cœur. C'est-à-dire, la visibilité, c'est vous. C'est vous qui partagez. Mais, vous savez, être activiste, c'est pas facile. Moi, aujourd'hui, Damaro, je ne vais pas en boîte. C'est pas parce que j'aime pas aller en boîte. Il y a des endroits aujourd'hui, je les ai interdits juste pour ma sécurité. Et ceux qui sont en Afrique, vous avez vu le complot que monte le CNRD pour faire taire tout le monde. Vous avez vu les médias, ils ont fermé. Et c'est juste un petit conseil. Si vous voyez un activiste changer sa manière de faire, approchez-le, parlez-le, au lieu de sortir ici pour dire la personne a changé, ce n'est pas ça la solution. Les gens, ce sont des pères de famille, des responsables. OK? Pour nous, ça va. Moi, Ansou Damaro, moi, je fais mon Uber ici. Ils ont tout fait. Deux de mes voitures, ça ne m'a pas empêché. Ils m'ont menacé. Et chaque fois qu'on me menace, moi, je n'arrête pas. Mais ceux qui sont en Afrique, je vous ai toujours dit ici, il faut les apporter assistance, il faut les aider. C'est tous ceux qui sont en Occident. Un 50 euros, c'est pas petit. Un 100 euros, c'est pas petit. Je parle de nos activistes qui sont en Afrique. Il y a des éléments de FNDC aujourd'hui du côté de Dakar. Ils n'ont pas d'emploi. Je vous ai donné l'exemple des Sénégalais au temps de Macky. Comment le groupe des Sonko, ils étaient organisés. Même un policier qui démissionnait, les Sénégalais apportaient assistance à cette personne. Donc, si vous voyez nos frères aujourd'hui, il y a d'autres qui sont découragés. Il faut les approcher. Il faut les parler. C'est quoi leur problème? Et qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de venir dire, ils ont pris de l'argent, tel a fait ça, tel a fait ça. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. C'est des hommes mariés. Ils ont des enfants. Ils ont une famille à prendre en charge. Avec tout ce que le CNRD est en train de faire, c'est-à-dire partout où il y a une source de revenus, il faut couper pour que les gens ne dépendent que d'eux. Et c'est pourquoi je dis aux gens, et ce n'est pas la peine de venir ici dire telle personne, il veut changer. Non. Ceux qui sont en Afrique, je vous ai dit, apportez-les de l'assistance. Voilà. Même un soldat au front, il a besoin de nourriture. Il a besoin de vivre, un soldat qui va défendre la patrie. Donc, quand je vois la réaction des commentaires de certaines personnes, c'est-à-dire, ils sont les premiers à qualifier certaines, oh non, il a changé, nanani, nanana. Pourtant, ce sont eux qui sont en première ligne, qui sont vus. C'est eux, c'est-à-dire leur vie est en danger. Donc, je vous demande de vous ressaisir. Vous qui nous suivez, vous qui nous commentez, approchez ces personnes-là. Approchez ces personnes au lieu de venir encore verser de l'huile sur le feu. Non, il faut approcher ces gens. Il faut leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Lorsque vous êtes père de famille,
vous avez des enfants, vous avez une famille, vous êtes logé du côté d'Abidjan, vous êtes logé du côté du Sénégal, vous devez payer. Nous pouvons tous parler, hein. Nous pouvons tous parler contre Mamadi. Mais ce que certains font, voilà. Mais ce que certains font, d'autres ne peuvent pas le faire. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas subi ici? Donc, approchez ces personnes-là, au lieu de venir juste à travers peut-être un changement, de faire les choses de la part de ces gens. Vous venez pour dire, ah non, quitte ici. Non, non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Il faut approcher les gens. Il faut échanger avec les gens. Au lieu de venir juger ces personnes-là. Au lieu de venir juger ces personnes. Voilà. Donc, tous ceux qui sont en Afrique, qui mènent, c'est-à-dire, cette lutte face au CNRD, je vous ai dit, face à une dictature, le pouvoir a plusieurs options. Nous, les activistes, nous avons trois vies. C'est-à-dire, on nous propose, d'abord, ils nous menacent, ils font comme tout ce qui s'est passé face à moi ici. Tantôt, ils ont payé des gens avec qui j'étais, pour me salir, me rabaisser, me faire du mal. Deux de mes voitures, ça, ils ont échoué. On vous approche, on vous dit, ah, voilà ce qu'on veut. Même tout récemment, je vous avais expliqué la raison du poste que j'avais fait tout récemment. Donc, ces gens-là viennent vers vous. Ils ont l'argent. On dit le pouvoir, ils ont l'argent. Ils viennent vers vous, ils vous proposent de l'argent. On vous dit, oh, vous voyez, ces gens-là, ils ne font rien pour vous. Ça dit, vous voyez, ça c'est l'argument des gens du CNRD aujourd'hui. Qui disent que Fonike Mangue, vous avez vu, Fonike Mangue, il est où aujourd'hui? Où est le FNDC? Où est les gens de l'UFDG? Où est la société civile? Voici comment ils viennent vers les activistes pour les décourager, pour vous dire, nous, on va vous donner ça. Pour éviter cela, ces personnes-là, chacun peut faire quelque chose, même si c'est 20 euros. Vous connaissez ces gens-là, appelez-les, donnez-les. C'est ce qui va les pousser à ne pas aller sur le chemin du CNRD. Si la personne s'est déjà engagée, il doit être soutenu. Je vous ai dit, tous ces activistes, que ce soit du FNDC, que ce soit des communicants de l'UFDG, que ce soit du RPG, il faut soutenir ces gens-là. On ne vous a pas dit de donner des millions à ces gens. Mais à un moment donné de la lutte, il y a des moments d'hésitation. Seuls les patriotes, les hommes forts ne tombent pas. Voilà. Donc, on vous demande, au lieu de venir mettre des commentaires, parce que vous avez vu telle personne, il a changé. Il faut l'appeler, il faut l'approcher, au lieu de l'insulter. Parce que ce que vous faites, vous le poussez à aller vite, à tomber. Mais, si vous voyez que vous n'appréciez pas ses sorties, approchez-le, appelez-le. Vous pouvez lui, c'est facile pour vous de raisonner la personne que le CNRD vient récupérer ces personnes-là. Vous pouvez récupérer ces gens-là parce que ils sont toujours avec vous. Mais face à cette situation, ils ont du mal à faire ça, à mener la lutte. Donc, je demande en tout cas à nos abonnés, vous qui voyez les vidéos des gens ou des posts des gens, vous venez insulter. Pourtant, vous n'avez absolument rien apporté comme assistance à ces personnes. Il faudrait que vous arrêtiez. Aujourd'hui, ce sont nous qui sommes vus. C'est vrai que vous mettez les cœurs, vous likez des trucs. Mais ceux qui sont vus aujourd'hui, c'est Damaro, c'est Benito, c'est Tola, c'est Hadji, c'est Tidjane la Puissance, c'est Paiku Sare, c'est Fonike Mangue, c'est Kunduno, c'est Ibrahim Diallo, c'est en tout cas tous ces activistes. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous dis, approchez les gens, des gens que vous avez soutenus, vous les voyez à un moment donné où ils sont un peu découragés, c'est de les réconforter. Ce n'est pas en venant dire, oh, quitte ici, on t'a payé.
Nous, on nous dit tout. Moi qui suis devant vous. On me dit, ah, le RPG t'a donné quoi? Le RPG vous a donné quoi? Même les gens du CNRD, des grands à moi. Je vous ai dit ici. Il me dit, petit, tu as tout donné au RPG. J'ai dit, moi, mon combat, c'est pour la patrie. Ce qu'on mène, c'est fondamental. Donc, je n'ai pas besoin de venir dire, voilà, forcément, c'est de l'argent. Non, je suis un croyant. Ce que je vais avoir, si ce n'est pas halal, ça va, est-ce que ça va me profiter? Moi, déjà, ma maman, voilà, mes parents, toutes leurs prières, que ce que je dois leur donner, il faut que ça soit de halal. Mamadou Doumbouya, vous savez ce qu'il a fait? Il a tué combien de personnes? Hein? Depuis que Mamadi est venu. Donc moi, Mamadi qui a éliminé les Seydou, les Benjamin, tous ces jeunes, moi je ne peux pas, moi, ça dit quand je m'assois, je réfléchis, ma conscience, je ne peux pas. Sinon moi je pouvais bouffer l'argent du CNRD ici, je pouvais bouffer l'argent du CNRD et venir m'asseoir devant tout le monde. Mais je n'allais pas faire le mal au CNRD, ça dit c'est des millions de Guinéens qui allaient perdre confiance en moi. Le CNRD aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord. Mais ils ont confiance en moi. Ils savent qui est Damaro. Le CNRD. S'il y a quelqu'un qui a confiance en moi, c'est le CNRD. Ils savent qui je suis. Peut-être je ne fais pas ce que... Ça dit, je suis opposé. Je casse leur papeau. Je les expose. Mais ils savent qui est Damaro. Ils sont passés par tous les moyens. Damaro aussi, la chance que moi j'ai eue, Dieu merci, je suis aux États-Unis. Dieu merci, je suis assis dans ma voiture tout de suite là. Je vais aller faire $100, $200 tout de suite. Il suffit que j'ouvre mon application. Mais nos frères qui sont en Afrique, ils n'ont pas cette chance. Ils ont la famille. Ils ont une charge. Je demande à tous ceux qui peuvent aider ces personnes individuellement, faites-le. C'est ce qui encourage ces personnes-là. Mais lorsque tu fais face à certaines difficultés, tu dois payer ton téléphone. Tu dois acheter les passes pour faire des lives. Et que toi, tu n'as pas de boulot du côté du Sénégal, c'est difficile que ces gens-là fassent comme nous autres. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, arrêtez de juger les gens. Approchez les gens et parlez aux gens. Sinon, vous allez décourager beaucoup de personnes dans cette lutte. Nous sommes face au pouvoir. Ils ont l'argent, nos mines, nos recettes. Ces bandits-là, ce sont eux qui l'ont. Ils peuvent corrompre par tous les moyens. On ne vous demande pas des milliards à donner à ces jeunes-là. 50, 100, ça va. Voilà. Faka Kaba Traoré, Mamadi Doumbouya a gologué 10 000 fois. Parce que à l'été Mamadi Doumbouya là, tant que Albarané Nenaya, Mamadi Doumbouya a gologué 1000 fois. Marafa Lugnano. Moi, tant que vous ne parlez pas... Non, Amadou Djeneba, pardon, il ne faut même pas le répondre. Ce n'est pas moi qui ai insulté, c'est devant tout le monde. Tu m'insultes, moi c'est Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya a gologué mes 10 000 fois. Marafa Lugnano, quand tu m'as quitté, non. Nalka lui irait bouillant, nda bouillant. Andi critique. Mais nalma bouillant, nalka blayant, ton albrané nena, nala kose la Mamadou le coca. Voilà. Donc, famille, cette vidéo de ce soir, c'est de demander, voilà, on demande à tous ces gens-là, voilà, d'aider tous ces patriotes-là, ceux qui sont là-bas. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un de m'aider ici. Je n'ai jamais demandé de l'aide. Mais lorsque vous êtes dans une lutte, vous, les autres, ils n'ont pas les mêmes chances que nous. Nous sommes aux États-Unis, par la grâce d'Allah. Même tout de suite, là, moi, je peux rester dans la voiture tout de suite. Je compose le 911. L'ambulance vient devant chez moi. J'ai les papiers à l'Amdoulilah. OK? Même ma retraite demain, elle est préparée ici aux États-Unis. Mais je parle de nos frères du côté de l'Afrique. Ceux qui sont surtout du côté du Sénégal aujourd'hui. Ils n'ont pas d'emploi là-bas. Voilà. S'ils n'ont pas de revenus, vous devez savoir qu'ils doivent payer des passes pour faire des vidéos. Et vous avez vu combien de fois ceux-ci-là ont eu de sérieux problèmes face à la justice là-bas à cause des manipulations, l'acharnement des voyous du CNRD.
Voilà. Donc, c'est un conseil que je donne aux gens, de ne pas juger ces gens, d'approcher ces gens-là. Voilà. D'approcher ces gens-là. Moi, je ne vais pas répondre des gens qui ne savent même pas écrire. Je vous ai dit, vous venez dans mon live, vous insultez. Moi, c'est le patron, votre patron là, le bandit, le gangster Mamadi Doumbouya. Ça dit, c'est à lui, je vais retourner la monnaie. Si vous pensez que ça fait mal là, alors pour vous, ça doit faire mal. Parce que c'est vous qui dites que lui, c'est un président. Moi, je ne suis pas le président de la République. C'est vous qui dites que c'est lui le président. Ça dit, vous, vous m'insultez, moi, je retourne sur votre patron. Et c'est moi qui ai le plus vu ici. Vous, c'est des petits commentaires. Voilà. Mamadi est un bandit, c'est un gangster. Donc, famille, où nous sommes aujourd'hui, les choses, ce n'est pas facile. Et d'autres, dans une lutte, comme vous savez, d'autres meurent dedans. D'autres se découragent par peur et d'autres continuent. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, si c'est moi, ma personne, ne craignez absolument rien. Ne craignez absolument rien. Moi, tout le monde a vu ma photo ici avec Mamadi Doumbouya. Tout le monde a vu. Moi, j'ai croisé Mamadi en 2020. On a échangé. Si je voulais vraiment changer, c'était depuis le début. Mais ce pays, laisser la Guinée dans les mains de ces voyous-là, laisser la Guinée dans les mains de ces bandits, ça fait 3 ans déjà et nous voyons la situation du pays. Toutes nos routes aujourd'hui, l'administration, les nominations par affinité, c'est-à-dire des vauriens comme les Amara, des vauriens comme les Djiba, qui gèrent l'administration guinéenne. Et nous voyons les arrestations arbitraires, les médias fermés, la cherté de la vie. Si ce n'est pas la galère, la souffrance qui va faire changer quelqu'un, mais sinon, consciencieusement, quel est le bon Guinéen? Quel est le Guinéen conscient? Quel est le Guinéen qui est dans les conditions qui va accepter? Quel est le Guinéen qui va accepter d'abandonner cette lutte pour s'associer à ces criminels? Comme je vous l'ai dit, moi, des grands comme les Seydou qui sont morts le 5 septembre, est-ce que moi je dois venir m'associer avec ces gens-là? C'est comme si je n'ai pas de dignité. C'est comme si je n'ai pas de dignité. C'est-à-dire, je préfère me taire que de soutenir. Moi, j'ai dit, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de grands dans le CNRD. Je connais tellement de personnes dans le CNRD. Parce que nous sommes tous des Guinéens. Ils ont tous, beaucoup ont appartenu au gouvernement du président Alpha Condé. Donc, aujourd'hui, voir ces gens-là, aujourd'hui, en difficulté, on vous demande du côté du Sénégal, tous ces activistes-là, il y a un moment, on avait mis un compte. On vous avait demandé de tous ceux qui peuvent faire des virements, même si c'est 10 dollars, si c'est 20 dollars, vous faites à ces gens-là. Vous n'allez pas voir ces situations de détresse aujourd'hui où les gens sont découragés. Non. Nalma Moluma demain. Allez, il faut qu'on combatte en temps, en temps. Moi, lui, la téléphone n'est pas là. Moi, lui, la ville est blanée en danger. Bi, yoro do liye neti se wala. Irende na mou noma sigade. Hein? Donc, ou la mre la ma era nanan kompra. Era ba mre juge fe. Ben era mre juge a kany reli. Ibarato abara lut na gana ba. A 3 ans nan neki. A opposeur. Pe onato na kany bara position de tongo. Wa kany maso ora. Ou weye ebe. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Donc, moi, c'est le conseil, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé, ton ami, voilà, on ne comprend pas ton ami. Pour comprendre quelqu'un, il faut l'approcher. Pour comprendre quelqu'un, il faut approcher la personne. Il faut lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais vous ne pouvez pas être là, dans les commentaires. Le gars, la personne dégage. C'est-à-dire, il est un peu découragé. Il faut approcher. Moi, je ne parle pas de moi, je parle de ceux qui m'ont appelé pour dire à ton ami, on ne le comprend pas du côté du Sénégal. Est-ce que vous l'avez approché? Est-ce que vous l'avez appelé? Est-ce que vous l'avez assisté? Voici des choses que vous devez comprendre. Mais vous ne pouvez pas lui voir comme ça. C'est un père de famille. Il a des enfants à nourrir. Vous connaissez la vie au Sénégal? Voilà. Yo, Hadi Savané, I'm not talking about me, okay? I work here. I'm talking
those living in Africa. So don't fucking talk to me like that. Des imbéciles comme ça là. Ceux qui sont en Afrique là. Tu penses qu'il y a du travail au Sénégal comme ça? Pourquoi tu es venu aux États-Unis? Des maudits comme ça. On parle de ceux qui sont en Afrique. Ceux qui ont fui la Guinée. Pour être au Sénégal. Vous pensez que c'est comme ça qu'on gagne le boulot? Et toi le maudit, pourquoi tu le suis? Parce que des maudits comme ça, oui. C'est facile de dire à quelqu'un, va travailler. Des idiots. On vous dit de soutenir Adi le King. Et toi le maudit, tu dis, va travailler. Tu as mis un boulot pour lui là-bas. Si les activistes sont là-bas, les gens de FNDC sont là-bas, voilà. Adi est là-bas, il faut les soutenir. Moi, je ne parle pas de moi. C'est que vous cherchez tellement l'occasion, mais moi, vous n'allez jamais. Moi, par la grâce de Dieu, je me suffis. Et j'ai des bonnes personnes. Voilà, si ça ne va pas chez moi, j'ai des bonnes personnes. Moi, je ne vais pas venir ici. Mais ceux qui sont en Afrique, ils ont besoin d'aide. Il faut soutenir ces gens. Et vous, les idiots qui sont là, qu'on non, ils n'ont qu'à aller travailler. Tu as créé un emploi pour eux. Lorsque tu fuis ton pays, aujourd'hui, les LCC sont où? Ils sont en prison. Les responsables, Ibrahim Diallo aujourd'hui, il n'est pas au Sénégal. C'est toi qui as cherché un boulot. Sinon, il était libre. On a proposé de l'emploi à ces gens. Mais la situation du pays, l'état de nos routes, l'insécurité dans le pays, aucun développement. Ce que nous menons, c'est contre ça. Pour ne pas que ces vauriens-là restent à la tête du pays. Pour que ces vauriens-là dégagent. Pour que ce pays-là prospère. Pour qu'il y ait de l'emploi pour tous les Guinéens. Mais vous, des idiots comme ça, là, c'est facile de vomir dans le life des gens ici. Because, non, moi, ne me pousse pas à insulter ce soir-là. Des imbéciles comme ça. Ou bien j'étais invité ici. Quand je viens parler, moi, je parle de ceux qui nous sauvent. Les vrais patriotes. Mais pas des idiots comme vous. Vous connaissez le Sénégal, comment ça y est? Moi, j'ai fait 6 mois au Sénégal. Je sais comment la vie est chère là-bas. Non, il y a des gens, ils aiment insulter les gens, quoi. Donc, je suis un peu désolé. Voilà, on appelle tout le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de parti politique. Et nous demandons à tous les patriotes, nous sommes du même bord aujourd'hui, UFDG, RPG, UFR, tout le monde, voilà les activistes, je dis bien, ceux qui ont la bonne volonté, vous pouvez demander le numéro de Adi le King, tous ceux qui veulent assister, vous allez l'aider. Une personne, c'est-à-dire nous sommes nombreux, il suffit que quelques-uns se mobilisent tout de suite là, fassent un geste, c'est fini. Voilà, si Adi devait partir, c'est depuis longtemps, ça je le dis, c'est depuis longtemps il devait partir du côté du CNRD. Mais il faut savoir qu'il a une famille, il a beaucoup d'enfants, ok? Il a beaucoup d'enfants, il a une femme au Sénégal. Vous savez, la maison, combien de fois ça coûte? Même ceux qui parlent que oui, Facebook, monétisation, il y a quoi dedans? Zéro. Voilà. Sinon, il y a d'autres activistes. Les Ivoiriens et autres, les Maliens, on sait comment ça est. Donc, on demande à tout le monde, Nere Wama, na combattre Mali fait Kobri Mouhourou, et ta mafala ma fera $1,000 dans ce irade, même $50, tu peux l'envoyer. Birinom ma fera, ça dit, on birinoma, andera bade. On a tout, mon a comme, denarato, c'est le CNRD, et Wama nanango, et ra, on birin sara, et ra, on birin toro. On a tout et n'a agi toro femeni pour que Amuno, c'est-à-dire que personne n'arrive à l'aider à nous couvrir ce temps d'aide. N'a biringa kanama, agadoro sono, nata erafa la a, ibarato, et Mikio, c'est comme ça ils viennent. Ils se font passer comme des bonnes personnes. Ibarato, ina contrefili, Mikio mfama, et Mikibet et non fama. Eux-mêmes, ils envoient quelqu'un pour t'approcher. Vous savez combien de fois, même la semaine passée, et n'a Ande fama era bangi salambe. Chaque fin du mois, nyan naga se seraba. Ntanga de retour, nyan naga wali. Chaque fin du mois, era kobra rassambama. Narabe, ma conscience. Ça dit, nous manyaron, n'ere faire le 5 septembre. Nous manyaron, la gneke n'ere na torofe. Nous manyaron, boris gafé de naga.
era bor kobre tongo era sonta nyira nta ngamre yara bere fegbegbe mabe nta manga fa ngana kobre tongo e faka mu fisa nabe yam faka munaki nta yat mudangi mamadi dumbuyara nta muna ça dit moi je vais dépasser ces gens là donc c'est pourquoi je demande mere e bore mali nega na Sénégal on est mali voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai vu les choses. Voilà, depuis le matin, nous na walfe, on va falader. Je vais faire cette vidéo ce soir pour encourager les gens. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont pas avec le CNRD. Faire un ande ira. Il faut pas juste dire que ah, on est audacieux ou tant. Même si vous avez peur d'aider les gens, vous pouvez passer par des personnes interposées pour aider, parce qu'il faut que la Guinée sorte de ça. Mourabori munu aluji bandi yira la Guinée kuna kana mané la Guinée musigama dede ombiri nam perdima mamadi muno mato mamadi muno mastina donc mon frère tu as parfaitement raison. La dignité on n'achète pas, mais face à certaines situations c'est pas tout le monde qui peut supporter. Lorsque tu as des enfants, toi, tu te vois tout bloqué. Tu n'as rien. Et on te fait une proposition. Tu n'as pas le choix que de prendre pour nourrir tes enfants. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation. Voilà. Il y a plusieurs personnes. Sinon, au fond de eux-mêmes, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais s'ils ont les moyens, ils vont pas tomber dedans. Alors, on est... Alors... et ta flamande bandigena yete matima kasali e parain kobrina e ra famille ira ona to bandigena yabarakbo konakrito. Quand vous regardez, c'est des belles filles et leur papa c'était des fonctionnaires, des directeurs. Aujourd'hui les gamines là aujourd'hui étaient habituées à une belle vie. Elles étaient dans les écoles privées, leur papa les donnait tout, on achetait yaourt tout. Mais aujourd'hui tous ces papas là comme des commandants comme des généraux sont tous à la retraite. Leurs enfants sont là aujourd'hui. Et ces voyous-là, ce régime de voyous, de bandits, ce sont ces filles-là qui sont en train d'exploiter aujourd'hui. Et ces filles n'ont pas... C'est-à-dire, la vie qu'on les avait habituées hier, elles n'ont plus ce niveau de vie. Ces voyous qui volent l'argent du contribuable guinéen, ceux-ci-là sont en train d'exploiter ces filles-là. Donc... Ali, Mara Fonko, moi je vous insulte pas. Ali, Mamadi Doumbouya Gologueme 10 000 fois. Mamadi, Agologueme 100 000 fois. Mamadi, Agologueme 1 million de fois. Nal Makoro, Ndal Koroya, Nal Kambouyen, Nal Kanaka critique. Ce que je dis, vous critiquez cela. Mais quand vous venez pour insulter, moi, c'est votre patron là, parce que c'est vos artistes qui ont chanté. Mamadi, Gologueme. 1 milliard de fois. Mamadi Golo Gemé, 10 millions de fois. Ok? Nous, le Douma Toro, là, il n'y a pas de problème. Toi qui dis que Adji a quoi? Il faut demander le numéro de Adji. Tu appelles Adji. Adji est au Sénégal. Il est avec sa famille. Adji est là-bas. Il faut assister Adji. C'est ce que j'ai dit ici. Quand tu viens dans un live, tu ne comprends rien. Il faut écouter d'abord ce qu'on est en train de dire. Voilà. Tu me dis, je ne réponds pas. Je ne suis pas là pour toi. Ce n'est pas, c'est un one-man show. Je ne suis pas là en débat avec toi. Voilà. Je vous dis, pas que Adji seulement. Il y a les responsables de FNDC, du côté de Dakar. Il faut que nous nous organisons. Voilà. Il faut que nous nous organisons pour pouvoir aider ces gens-là. Donc, je vais vous laisser. C'était... ce petit conseil que j'avais à donner. Voilà. Et Marafo, allez, Ouroudin Lounyene, moi, vous allez moi m'insulter. Je vous ai dit, je suis prêt. Je suis prêt. Albraf la Kirin, vous vous dites, Damaro, bam, wan. Moi, j'ai dit, Mamadi Doumbouya, 1 milliard Golo Gemé. Nanan ça, ma fari. Autant Kirin, nan falama. C'est moi qui suis vu. C'est moi qui fais le show, c'est pas vous. Ça dit, on a Binja, Karafa Ouma. Odundu mané, omu kombitima. Ona atitun, otanambara kombi. Parce que,
ballon nara ona wole nara gbele mane atanama. Vous jetez le ballon sur moi, je jette sur Mamadi. Ka gemé nara onu nta magono nta ora bandi Mamadi Doumbouya nana magono. C'est très simple. Onu gemé wole nta mana wole Mamadi nama onu kombi ora fanta manara siga matanama nata odundu mane. Donc merci à tout le monde. Djibril Konaté, merci à vous. Merci à Cheikh Marie Diallo, Moussa Fils Digne. Voilà, Mamadou Aliou Bari, Eden Soulier, merci à vous. Mfa Sidibé, Daouda Fanta Konaté, merci à Leloumat Tiangé, Jules Suleiman. Voilà, merci à Alexandre Pivi, Bana Bana Kamara. Merci à Sidiki BMV Kamara. Merci Mamadou Aliou Bari, à tous les patriotes. Voilà, pas de recul, comme je vous ai dit. Mais nous devons soutenir nos soldats. Nous devons les soutenir. Nous devons les mettre dans les meilleures conditions. Si c'est Boukama, et c'est ce qui fera qu'il n'y aura pas de démission et nous irons jusqu'au bout. Voilà. Sekou Kaba, je vais aller en Guinée. Ou bien ta maman t'a dit, ou bien Inga Falaribé, Anyenge Nantanana, Ifayenele, ou bien je suis membre de ta famille, ou bien il a famille de Kadjuruta Kanela en Amérique. Taïna manyinika, na jeti cheka kenele yo, ou bien ifaka kenele, ou bien wato anyo watesa de enneke, dans kadde ya kuma we, il faut venir, n'tere la Guinée 2020, ni Mamadi Kinyo ye minke, ikanye, ka ifale tunnima, ka inale kafunye na kono, ko ifale damaro ye, ko ansu damaro li ifayala, imodi, ito afala makonga siga la Guinée, hein, inga nyenge nan nantana, aluka ule funye ne, kui na jeti chenele ye, ma fo lignano al ma fo ko kuma corona do malnye nda dal ma tre flamino moro corona do ma fenetende voici un maudit ko se ici tu vas rester Hélène Naloma c'est des belles liens sanakune sinon moi je vis aux États-Unis la première puissance c'est-à-dire tout ce que vous mangez en Afrique allié de mon susukela a bebrebre bayane africain lo dominfe je a brebre yane ban à brebre yane stadi tomu à brebre be yane fin ni ako à brebre be américain et ni faso la dianyete je ne di miri la gina koma ni faso la dianyete i miri fin ma kuda ke frafina à be yane i fin ko fani à brebre yane mambri à brebre yane dia susu à brebre yane muso asube à brebre yane ni faso la dianyete et je ne di ba amérique lo kuwa ici frafina. Donc, Alte Hankirusoro, Allah naloma yakuma lowati dola. Ora dougula ya waye, omwa akali soto makui. Pende Amerika lumana, isiga, ka bori mura feima. Hein? De dougula comme ça, naloma delu. Ire toto yane, asini taboni yane. Ni moti miri la faso koma. Jene di idabla, lagne kokumaro. Voici un imbécile que la première puissance c'est la Russie. Et la Russie ni Ukraine ne tignon na we. Na lo ma delu ma fenetin villageois.